Et salut tout le monde et bienvenue dans le 15e épisode du Let's Play de Spyro 2 Gateway to Glimmer Ripto's Rage version Reality Trilogy sur PS4. Bon, alors nous sommes de retour alors dans ce fameux hub de Fête Autonale, le deuxième monde. Et il nous reste un seul niveau à faire, alors on va regarder. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de la dernière fois où j'ai eu quand même un sacré paquet de problèmes. On va reparler à Elora et on va voir si cette fois elle va être capable de vraiment nous conduire devant le niveau où on n'a pas le talisman. Veux-tu que je te conduise dans un monde où tu pourras trouver un nouveau talisman? On est bien d'accord, hein, où tu pourras trouver un nouveau talisman. Hein. Elle m'amène pas à Zephyr, hein, je l'ai déjà. Hein. Super, je vais te conduire au nouveau portail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non mais messieurs les développeurs, n'allez pas me dire que ça c'est pas bugué. Non mais juste, si y en a d'entre vous qui ont déjà joué, à ce jeu, dites-moi si vous avez eu ce bug là. Parce que c'est quand même extraordinaire. Parce que j'ai essayé, oui, là j'avoue, je suis allé chercher sur... je suis allé chercher une vidéo de ce jeu sur internet pour vérifier. Et je suis tombé sur des vidéos où Elora emmenait bien le joueur à un niveau pas fait. Et moi je ne sais pas pourquoi, là je vous le montre, je viens de rallumer, enfin... Je veux dire, par rapport à la dernière fois, je veux dire, la console a été éteinte entre temps. Je veux dire, entre temps, j'ai coupé le jeu, j'ai éteint la console. Voilà, là, je viens tout juste de la recharger, de recharger la partie et j'ai toujours le même bug. Donc, allez pas me dire. Alors, voilà le cône magmatique, c'est le niveau qui nous manque pour terminer ce monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va faire le niveau et juste après, comme c'est le. Comme c'est le dernier talisman qui nous manque pour accéder au boss, et ben on fera le boss juste derrière. Non mais sérieux, si vous avez déjà joué à ce jeu, dites-moi si vous avez eu le bug. Dites-moi si vous avez eu ce bug. J'ai voulu retenter par curiosité et c'est toujours bugué. Donc enfin je veux dire, c'est grave quand même. Enfin, c'est très grave qu'est ce bug. C'est un truc ultra basique. Oh. Oh. Non. Oh. Ah. Ah. Oh. Oh. Ouais, ok, son copain vient de décéder, ça lui pose aucun problème. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là 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 là. Allez, allons parler au PLU. Bonjour Spyro, je suppose que tu es là pour la fête. J'ai peur qu'elle n'ait été annulée. Ces stupides terraformeurs ont rallumé le volcan. Ah, tiens, terraformeur, ça me rappelle quelque chose. Bon, bah ici, il n'y a rien à faire, je vais vous grimper tout de suite. Bonjour. Ah, d'accord, je ne peux pas le... Voilà, vous avez vu, vous avez pu le voir furtivement. Voilà. On va retomber sur les mêmes modeleurs de terre que dans le niveau précédent. Peut-être qu'ils courent vite en plus ces bougres. Ah. Alors. Bon, j'essaie de vous expliquer, je me fais toucher. Alors vous voyez qu'à côté de l'ennemi il y a une croix, il faut que je m'arrange pour le pousser dessus en fait. Non, juste écoutez la musique. Mais quelle horreur! C'est quoi cette musique? C'est quoi ce mec derrière? Non mais... Regardez ce son là, écoutez ce son là. Putain, mais on dirait un mec qui va vomir. C'est quoi ce délire? Oh, c'est dégueulasse. Enfin, je suis désolé, mais là, cette musique, cet effet dans la musique me met mal à l'aise. Sérieux. Alors, attends, je vais juste ramasser ça. Du coup, je vais pouvoir en profiter pour vous montrer quelque chose qui est disponible dans le... Non, c'est pas là. Qui est disponible dans les options du jeu. Que je vous avais jamais montré, puisque jusqu'à maintenant, voilà. Voilà, musique. On peut changer, on peut récupérer les musiques des jeux originaux. Là, je suis désolé, c'est ce que je vais faire parce que... Là je mets, genre, franchement je mets la musique d'origine parce que là c'est dégueulasse. Regardez, quand on va retomber à l'endroit, je vais vous faire écouter. Aïe. J'ai un meurtre. Ouais, lui il danse parce qu'il a tué le moldeur de terre. Je vais récupérer un petit papillon. Voilà. Écoutez là maintenant. Bah, c'est mieux, je suis désolé. Mais là ils t'ont remplacé le un truc qui faisait. Ils t'ont remplacé ça par un mec qui fait. Je vais mourir. Laissez-moi mourir s'il vous plaît. Ah non, je suis désolé là pour ce niveau, je laisse la musique d'origine, je mets la musique d'origine, c'est pas possible. C'est pas possible de subir ce remake de merde. Bon, maintenant je vais peut-être essayer d'avancer dans le niveau aussi, histoire d'avoir le temps de faire le boss après. Voilà, c'est par là que ça se passe. Ah, mais descends. Mais... Ah d'accord. Faut sauter avec le stick vers le bas pour qu'il descende. Non, non, tu mourras pas toi. C'est moi qui vais t'avoir. C'est moi qui vais t'avoir, Dixit, le mec qui l'a loupé à 5 cm. Pas de problème. D'accord, c'est normal. C'est parfaitement normal. Eh, hey, le mec, c'est le terraformeur, là, c'est l'inspecteur gadget, là. Oui, il danse les Benji quand il tue les ennemis. Quand il tue les ennemis pour moi. Je sais pas. Ah, j'allais dire, j'ai dansé. C'est où, là? Avec un marteau piqueur, c'est original. Voilà, vous avez eu 3 méthodes de... 3 façons de donner la mort à un moldeur de terre. Par contre, il me semble que j'ai... Ah oui, j'ai oublié ça là-bas. J'ai oublié cette partie. Attends, je peux monter là. Ça va peut-être m'aider. Ça va peut-être m'aider. Voilà. Ah, voilà notre copain gros sous. Alors pour l'instant je vais pas aller le voir tout de suite parce que c'est pour... On a besoin de lui pour accéder à la deuxième partie du niveau. Et autant essayer de compléter la première tant que faire se peut. Regardez ce petit secret. Voilà, c'est bon, il m'a bien donné les 3 vies. Sur le moment quand j'ai pété les 3 bouteilles en même temps, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur que ça compte pas bien, mais non, le comptage des vies se fait assez bien. Il n'y a pas de bug à ce niveau. Et moi c'est pas juste parce que je me suis redressé sur le fauteuil en même temps que je parle. Alors où est-ce qu'on accède J'ai mis plein de trucs en fait. Éloigné un peu. Putain, je me suis pas éloigné assez, biloul. Bon. Ah, c'est là-bas. J'ai bien fait de retourner à la caméra, je sentais tellement en venir ce coup là. Alors cette fois-ci on va s'éloigner plus. Bon, tiens. Ça là. L'escargot va mourir. Oh putain. Alors on dirait que la collision de l'escargot était encore activée le temps que l'escargot disparaisse complètement et j'ai failli en tomber de la plateforme. Alors je pense que j'ai tout récupéré ici. Ah, il manque ça là-bas. Mais comment on y va? Je peux pas sauter, je saute pas assez haut. Ah d'accord. Je n'ai rien dit. Est-ce que tu crois qu'il y a moyen de faire... Ouais, c'est pas très possible. Non, on va aller sur la plateforme à gauche et puis on va planer. On va planer bien gentiment. Loul. Encore un bug de plateforme. Enfin, je commence à avoir l'habitude de ça. Voilà. Alors, il y a un petit secret par ici. Enfin, un secret. C'est pas un secret si secret que ça, mais... Bon, j'aime bien la caméra où tu vois même pas Spyro. Là, les tourbons dans cette caverne de glace. Oui, une caverne de glace dans un volcan, tout est normal. Et plein d'autres copains chasseurs. Bizarrement, chasseur qui était emprisonné dans la pierre, dans la colline de faille, bah ici, il a pu venir jusqu'ici. Tout est normal, puisque tout est normal, puisque je vous le dis. Ah, puisque je vous dis que tout est normal. Ah, Spyro, regarde la grotte que j'ai trouvée. Jouons à un petit jeu. De temps en temps, un morceau de pop-corn cristallin jaillit du sol. Le premier qui en prend 10 a gagné. Du pop-corn cristallin, pas mal comme appellation. Allez, alors ici on est sur un défi. On va rigoler. C'est quand tu veux. Ouais, c'est quand je veux. Alors il faut regarder la fumée. Voilà. Ah merde. Oh, je l'ai loupé. Non, 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 pas d'accord. Mais non, je suis pas d'accord, enfin, puisque je te dis que je suis pas d'accord. Bon, il faut que j'arrête de faire le con. Non, 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 non. Ah, je pouvais lui... C'est faisable de lui piquer, hein. Quand le bazar jaillit devant chasseur, vous pouvez essayer de sauter et de le choper. Sauf que là, c'est trop tard. Je suis en retard. Voilà. Et ça me donne un trophée, ça me donne un trophée PS4 en plus. Loul. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-là. Bon, tu as gagné. Voici un orbe. Ouais. Je te donnerai un autre orbe si tu parviens à me battre. On monte à 15 cette fois. Tu es d'accord? Ouais. Alors le premier, c'était le mode facile. Est-ce que tu es prêt? Voilà, vous avez vu, là, il me passe de 3 à 5 étoiles. Voilà. Bon, il va falloir que je sois un peu plus réactif, hein. En général, le premier, j'y arrive sans trop de problèmes. C'est le deuxième, en général, que... Enfin, encore, j'ai jamais essayé le deuxième défi sur la Reality Trilogy. Ça va peut-être mieux se passer. Non, 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 non. En fait... Faudrait que j'essaye de... D'accord, ça... Lol. Non, non, non. Mais... Je veux te les piquer, bordel. Bon, d'accord. J'oublie l'idée de lui piquer, mais sérieux, je suis en méga retard, là. Mais... Quoi? Attends, c'est moi ou le truc m'est carrément passé à travers? Alors que je me mets au-dessus du point de sortie pour le... Non, ça c'est trop court. Voilà, ramasser. Non, non. Non, c'est pas ici, c'est là. En vérité, si j'arrête de faire le con, il y a moyen. Non, je l'ai raté. Et du boulet du jour. Dégage, chasseur. Je crois que là je vais échouer. Lamentablement. Allez, encore un. Voilà. Tu es très fort. Il va falloir que j'invente des jeux plus difficiles. En attendant, prends cette orbe. Tu l'as mérité. Ah oui, je l'ai mérité, je l'ai très mérité, ouais. Tout à fait. Surtout que j'ai quand même réussi à te battre en faisant n'importe quoi. Non mais si ça, c'est pas encore une fois la preuve que ce remaster est plus facile que le jeu d'origine. En fait, finalement, il y a des moments, si je suis en galère, c'est parce que ça bug, en fait. En fait, la difficulté du jeu, c'est pas les mécaniques, c'est pas les mécaniques normales. La difficulté de ce jeu, c'est les bugs. Fun, ça dit. D'ailleurs c'est marrant, pour la petite histoire, hier sur Discord on parlait des bugs de Crash Bandicoot Reality Trilogy là. Ah mais bordel, mais je vais où là? Mais là je vais n'importe où sauf où il faut. Mais je braque le cycle vers le bas, descends. Oh putain. Oh au secours quoi. Ouais, c'est parce qu'en fait comme un crétin je suis redescendu alors qu'il fallait aller ici. Façon, regardez, je suis sûr que... Regardez, si vous regardez bien, Spyro, il est même pas sur les barreaux. Il y a un écart. Hop, voilà. Bon, on n'a plus qu'à aller voir notre grand copain. Ah, mais c'est mon meilleur client. Et dans la pièce suivante, un ascenseur peut te conduire au volcan. Tu peux avoir un accès illimité à l'ascenseur. Contre quelques gemmes. Ouais, quelques. Ouais, 200. On n'a pas tous la même notion de quelques. Oh bah allez, j'ai pas le choix. Hein. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Monte dans l'ascenseur et il te conduira jusqu'en bas. Quand tu voudras revenir, monte de nouveau dedans. Mais merci, je sais encore comment ça marche un ascenseur, merci. Et en sachant que cet ascenseur n'a pas d'intérieur, j'aurais plutôt dit dessus que dedans, mais c'est pas grave. Allez, donc deuxième moitié du niveau. Donc j'espère de rien avoir oublié dans la première. Sinon, ça serait chiant. Alors, regardez. On est à l'intérieur du... Il y a des trucs qui volent là-haut. Ça veut dire en général, les trucs qui volent, c'est en haut. Il va falloir grimper ici. Et essayer d'atteindre le sommet. Ouais, ici ça sert à rien de descendre. Voilà, on monte. Ah non, c'est pas celle-là pour monter. Par contre, attention aux boules. Ah, apparemment, monter c'est pas par là non plus. Il y en a pas un qui tombe par ici? Bon, bah on y va. Alors, j'ai vu les joyaux en bas, vous inquiétez pas. Hein. Ah oui, si je rentre la caméra dans le bon sens, ça marche mieux. Et le problème, c'est que dans le jeu d'origine, la caméra s'orientait toute seule. En même temps, faut dire que dans le jeu d'origine, il n'y avait pas le fait de contrôler la caméra avec le stick droit. D'ailleurs, les contrôles de la caméra les contrôles caméra sur PS1 étaient juste ignobles, quoi. Du coup, pour certaines fans... Merci d'avoir fermé le couvercle du volcan, Spyro. Il commençait à faire un peu trop chaud. Tiens, voici un talisman que je gardais pour la célébration. Je crois que tu le mérites. Erreur de casting détectée, là. Non mais, le plus drôle, c'est que je sais pas si vous avez compris ce qui vient de se passer, mais je me suis fait toucher, ce qui aurait normalement dû me faire tomber, mais comme je suis arrivé assez haut au volcan, bah, ça a déclenché la fin. Ce qui a évité ma chute. Mais tu regardes la bestiole et puis qui parle comme ça. Tiens, prends ce talisman, ouais. Bon. Alors maintenant qu'elle est là, voici en contrebas la plateforme que je voulais. Voilà. Salut Spyro, tu arrives juste à temps pour la fête. Enfin, ce serait le cas si ces horribles monstres de lave n'avaient pas volé nos chapeaux. Sans chapeau, les fêtes sont tristes ou nettes. Ouais, ouais, parce que c'est bien connu, tu ne peux pas faire la fête sans chapeau. Voilà. Même là, c'est monstre. Alors, une recharge de Superball. Alors, c'est marrant, non, mais par rapport à aux autres recharges de Superball du jeu, là l'icône de l'aile qui est dessus est tout petit. Qu'est-ce que c'est foutu? Ah bon, c'est pas grave, au moins elle marche. De la même manière. LOL. LOL, mais... ah oui, mais c'est vrai, je suis con. Mais putain, laisse-moi. Mais c'est quoi cette mort de merde? On dirait un accident domestique. Et le chargement qui dure 30 ans et en plus ça avait frisé. Je sais pas si vous avez vu, mais ça avait frisé, les lettres ne bougeaient plus. Salut Spyro. Mais je sais. Ah oh. Non, en fait, pour pouvoir les tuer, j'ai oublié un léger détail. Enfin, déjà, par contre, on va libérer les ballons avec des joyaux à l'intérieur. Enfin, des joyaux à l'intérieur des bouteilles, pour être plus exact. Moi, je les ai tous eus. Alors, vous voyez ces boules qui flottent là dans les airs. Il faut les bouffer et les cracher sur ces monstres. C'est la seule manière de les tuer. C'est pour ça que je pouvais essayer de leur cracher dessus cracher du feu dessus longtemps. Merde, je l'ai raté, non. Mais laisse-moi. Non, mais quand je me fais toucher par contact avec la lave, j'ai l'impression que j'ai un mal de chien à rappuyer sur le bouton du seau pour que le vol repart. Oui, parce que dans ce jeu, quand vous êtes touché en l'air et que vous tombez, vous rappuyez sur sauter pour voler. Voilà. Bah, ouais, après le fameux appui sur sauter pour sauter. Alors, déjà, je vais prendre un. Tiens, meurs! Non, mais pas de ça chez nous! Ah, mais ça demande presque du réflexe pour réussir à les tuer comme il faut. Alors, il y en a un ici. Le problème, c'est comme on est en vol, on ne peut pas prendre le temps de viser. Ah, il y en a en bas. Alors ça, les joyaux de 10 qu'on voit, c'est ceux qui étaient dans les ballons. Ah, dans les... Et remets-moi la caméra comme il faut, voilà, merci. Non, non, décolle, décolle. Mais arrête de te prendre les murs. Bah arrête de prendre les murs, c'est moi qui joue, mais... Donc en fait, je me dis un peu ça à moi-même, mais bon. Non, mais je vais galérer à faire un défi à la con. Par contre, les joyeux, je les ai pas tous eus, il en manque, hein. Ah, j'en vois en bas là. Ah, je l'ai eu. J'avais tiré au-dessus de sa tête, mais ça l'a touché quand même. J'en vois un en bas. Déjà, je vais arrêter de faire des grands tours, ça sert à rien. Hop. J'ai arrêté de faire l'andouille. Ça serait une idée. Je fais ça pour retomber sur les joyaux. J'ai pas... Il m'en manque encore. Il y a un des 10 que j'ai pas dû prendre. Ah, ici. Toujours pas. Non, ici ça sert à rien, c'est pour revenir. Ah, ça ne marche pas les tourbillons. Ok, si tu veux. Eh, j'espère que... Attends. J'en suis où? Il m'en manque 15 quand même. Par contre, je vais peut-être remonter pour reprendre du vol. En fait, cette partie-là, c'est pas spécialement difficile, mais surtout c'est long et chiant. Mais non. Oh, il est en haut. Merde, j'ai raté! Attends, c'est moi ou quand je me fais taper par ces bestioles, je prends même pas de dégâts en fait. C'est maintenant que je m'en aperçois. Allez, il en manque plus qu'un, celui qui est en bas. Je fais juste un tour comme ça pour être bien dirigé. Voilà ça. Et comme il est dans le bas, je crois que j'ai déjà passé, non? Mais je crois même pas, je suis sûr. Parce qu'il est là. Merci Spyro, tu as sauvé la fête. Tiens, ce truc a été mélangé aux apéritifs et j'ai failli me casser une dent dessus. J'aime bien des fois les excuses bidons pour justifier qu'ils ont des ordres. Alors le souci c'est que maintenant il me manque des joyaux. Et que quand je vole, je ne peux pas utiliser la compétence de Sparks. Quoi. Non, c'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Ah! Putain, je suis en train de galérer comme un crétin. Non, je vais remonter un coup pour voir. Ah d'accord, ça ne sert à rien. Ça sert juste à retomber comme un idiot. Mais je veux me remettre à voler, bordel. Sauf qu'il faut que je me repose quelque part pour réutiliser Spark. Alors, pose-toi, voilà. Non, me dis pas que j'ai oublié dans la première partie du niveau. On dirait bien que si. Mais pourquoi l'ascenseur est tout en haut? Comment tu veux que je monte? Par contre, vous avez vu la recharge de vol qui s'est annulée toute seule alors que je n'étais pas au bout. Putain, mais j'ai réussi à oublier dans la première moitié, donc hallucinant. Mais franchement, si je dois revenir comme ça dans la première moitié, je crois qu'une fois que j'ai les joyaux, je quitte au menu. C'est-à-dire, j'ai juste regardé, est-ce qu'il y a des points de compétence à avoir ici? Non, j'ai pas l'impression. Ouais. Je dois juste... D'accord. Bon, pour le combat contre le boss, j'ai vu faire une deuxième partie et on me demande de frapper Ripto. Ouais, si tu veux. Oh, mais... Comment tu voulais les voir aussi? Comment tu voulais voir ça, sérieux? Quand je vous dis que les développeurs sont des gros fourbes. Mais bon, enfin, quand je dis développeurs sont des gros fourbes, c'était Insomniac dans le jeu original. Parce que là, pour le coup, Toys For Mobile, ils ont juste remis les joyaux à la même place que dans le jeu d'origine, c'est tout. Enfin, je suppose. J'espère même d'ailleurs, parce que sinon c'est eux que c'est des gros fourbes. Allez, on se casse de ce niveau et on va taper du boss. Ça nous fera du bien. Mais comment ils en ont tous rien à foutre de s'entretuer, quoi? C'est hallucinant. Eh, j'aimerais pas vivre avec eux. Hein. Oula, le jeu a légèrement ramé. Non mais un jeu qui rame dans les temps de chargement, faut le faire quand même. Je dis ça, je dis rien.